Kwa kane twatangiye inyigisho turi kurebera hamwe tuzamara hafi ku kwezi kwa kabiri ndetse no kwa gatatu twigira hamwe uko twasobanukirwa isi y'umwuka. Et donc ce jeudi dernier on a commencé un enseignement qu'on va être en train de voir ce mois de février, le mois de mars qui s'intitule comprendre le monde spirituel. Gusobanukirwa isi y'umwuka. Comprendre le monde spirituel. Kubera iki twatinda cyane kuri ikintu cyo gusobanukirwa isi y'umwuka? Pourquoi parler de comprendre le monde spirituel? Nuko itorero n'institut y'umwuka. Parce que l'église est spirituelle. Nge nawe turi umwuka tukaba dufite ubugingo tukaba dutiye mu mubiri. Parce que moi et toi nous sommes des esprits qui ont des âmes et qui résident dans un corps. Ubugingo buragaragara ubona bitewe nuko umuntu uko umuntu asobanukiwe ko umuntu agenda uko umuntu atekereza bigaragaza capacité y'ubugingo bwe cyangwa se gice cy'ubugingo arimo arimo amaranga mutima ubwenge ndetse n'ibindi bisagutyo. Et dans l'âme c'est là où on voit les émotions, la volonté et l'intelligence ou les pensées. Umubiri turawubona uri gikara uri nzobe uri muremure uri mugufi urabyibushye urananutse n'ibindi bisagutyo ni gice cy'umubiri. Et le corps c'est le partie, la partie visible, tu es teint de clair ou bien tu es lancé ou bien tu es maigre ou bien tu es gros. Ariko akaba ikindi gice gikomeye muri wowe cyitwa umwuka iyo wavuyemo bavuga ngo yitabye Imana uwo muntu umwuka yamushizemo ntago ari oxygène ntago ari umwuka nkuko bawushyiramo kwa muganga cyangwa se umwuka ujya mu mapine n'umwuka w'Imana uba mu muntu. Et il y a notre partie qui est très principale et très importante qui est ton esprit et c'est pas l'air ou l'oxygène mais c'est l'esprit. Umwuka nuko n'Imana ubwayo n'umwuka. Et cet esprit c'est parce que Dieu lui-même est esprit. Ariko n'umwanzi wawe witwa Satani nawe n'umwuka. Mais même ton ennemi qui est Satan est aussi un esprit. Abahemu batanze ishusho ya Satani wari we bamugira inyamaswa ifite umurizo n'amahembe ariko uriya ntago ari Satani iriya ni inyamaswa uriya ntago ari Satani. Certaines des personnes ont fait une image de Satan comme une bête ayant des cornes et une longue queue mais c'est pas Satan, ça c'est juste une bête. Ukunda kuvuga ngo Satani ni umukara ariko ntago bibira avuga ngo ajye yigira marayika w'umucyo ariko nubwo adashobora kuba we. Et il y a des personnes une personne que je connais qui dit que Satan est noir, mais la Bible dit que parfois il se déguise en un ange de lumière. Et donc par cette image qui est fausse que les personnes donnent à Satan, ça lui donne le moyen d'œuvrer dans leur vie et sans qu'ils comprennent. Kandi muri ubuzima nta kaga nta n'ibyago nko kuba urwana n'icyo utazi. Et dans cette vie, il y a rien de mauvais qui peut arriver que de te battre avec quelque chose que tu comprends pas. Ibyago nko kujya kwivuza kwa muganga bakavuga ngo arwaye négative kandi arwaye ameze nabi. Imagine-toi aller un docteur et qu'il te dise tu te sens malade mais il te dise qu'il ne voit rien. Yani magambo yavuze ngo urwaye négative ntacyo nakumarira. Donc si le diagnostic était négatif, c'est comme kandi umeze nabi urabyumva kuri gucika intege uri muragirira isereri uri umeze nabi ariko bakavuga ntacyo tubona urwaye. Malgré même si tu te sens mal et tu peux le sentir que tu sens quelque chose vraiment de toi mais peuvent rien faire. Rero ndifuza ko muri uku kwezi kwa kabiri tugusoza ndetse no kwa gatatu turebera hamwe uko twasobanukirwa isi y'umwuka. Iyo mvuga isi y'umwuka nuko ni isi itegeka, ni isi ikora, ni isi irema ibintu bigakorwa. Rero tuvuga isi y'umwuka kuba itagaragara ntibivuga ko idahari cyangwa idakora. Et donc dans ces deux mois à venir on va parler de comprendre le monde spirituel même s'il est invisible, ça ne manque pas que il est il est un monde qui est réel et qui coordonne toutes les choses dans le monde visible. Cyane twe tuzakomeza kugarukaho ni Samuel wa kabiri 21 umurongo wa 2 kugeza ku wa 9 ni cyane twe tuzakomeza kutukigarukeho nubwo tuzareba ibindi ariko tuzajya twirefera cyangwa tugaruka kuri iki cyanditswe cyane. Et notre écriture de base c'est 2 Samuel 21 verset 1 à 9. Kubera iki twakwigisha ibi ngibi? Pourquoi est-ce que prendre un temps pour apprendre ceci? Parce que nous sommes dans le quatrième trimestre qui parle de 2022 jusqu'à 2029 d'être revêtu de la puissance surnaturelle de l'esprit pour la mission.
Nukuvuga turimo turashaka gusobanukirwa no kwambikwa imbaraga ndenga kamere kubera iki imbaraga ndenga kamere nuko ntago iyisi dutuyemo wayishobozwa n'ubwonko gusa no kwiga n'ibifatika gusa udafite imbaraga ndenga kamere ziguha gusobanukirwa ibirenze kamere cyangwa ubwenge bwa muntu. C'est parce que tant sauvé tu peux pas vivre dans ce monde avec juste ta sagesse et ta force, tu as besoin de la puissance surnaturelle de Dieu pour survivre. Ibintu ntago bipfa kwikora. Et les choses ne se font pas juste d'elles-mêmes. Les choses ne se font pas d'elles-mêmes. Il y a une chose qui cause les choses à se faire. Et la cause derrière, c'est un esprit qui est invisible. Et le monde des ténèbres, parfois, c'est lui qui est derrière cela, même s'il cherche en fait des noms pour nommer cette chose. Bukeye ku ngoma ya Dawidi hatera inzara. Du temps de David, il y eut une famine. Ku ngoma y'umwami Dawidi umukunzi w'Imana, uw'Imana yirahira ngo afite umutima nk'uwayo, ari umwami asimbuye Sawuli hatera inzara. Ici on voit le roi David qui est aimé de Dieu, qui a le cœur comme l'Éternel le veut, et du temps de son règne, il y eut une famine. Gute uyu mugabo ukunda Imana watabaye Isirayeli akica Goliyati wagaragaje umutima wo gutinya Imana no gukunda Imana wihana ubwiza Imana ikuru umutima we wose wahimbye zaburi tutazi nyinshi cyane uw'Imana yirahira ko afite umutima nk'uwayo ni gute uno mugabo akubitika kandi ari umukunzi w'Imana. Comment est-ce que cet homme, le roi d'Israël, qui a Dieu a opéré une délivrance en Israël en tuant Goliath, qui a créé des cantiques et des psaumes innombrables, qui a cette famine qui arrive en son règne? Gukunda Imana ni byiza kandi ni by'agaciro. Aimer Dieu, c'est très important. Ariko gukunda Imana icyo bitubyarira gikomeye bituzanira gusobanukirwa kuko dukundana n'Imana ikaduha gusobanukirwa. Mais le grand résultat de notre amour de Dieu, c'est qu'il nous donne la compréhension. Ariko nibikuraho kumwanzi azagira ibyo ashaka gusunika mu buzima bwacu kandi turebye nabi byatugiraho uruhare. Mais ça n'enlève pas que Satan, notre ennemi, peut œuvrer dans nos vies. Dawidi abaye umwami asimbuye Sawuli. David est le successeur à Saul. Sawuli n'abantu bamusabye kugira ngo Imana ibahe umwami. Saul a été demandé par le peuple pour qu'il soit roi sur le peuple. Dawidi ni Imana imutoranije nabonye umuntu ufite umutima nk'uwange umuhungu mwene Yesayi genda umusiga amavuta aba umwami mu cyimbo cya Sawuli. Mais David, fils de Jesse, a été choisi par Dieu parce qu'il avait le cœur selon le cœur de l'Éternel. Igihe kiragera mu ntambara nyinshi Dawidi yaciyemo, Sawuli amuhiga, Dawidi amuhunga, Dawidi agira n'amahirwe yo kumwica ariko yanga kubikora, hanyuma igihe kiragera Dawidi yicara ku ntebe y'ubwami. Et après beaucoup de guerres entre Saul et David qui le poursuivaient, David est maintenant roi sur Israël. Bigiranya n'ishisho y'ubuzima bwacu nuko bari kintu Imana yakubwiye yakuvuzeho ukarwana ugahangana ukihisha ugakwepa ugasenga finally ukabona kirahabaye. Et c'est comme notre vie, parce que Dieu nous donne des promesses et parle sur notre vie, et tu te bats et à la fin la chose se réalise. Mais même si cette chose a été réalisée, ça ne veut pas dire qu'il y aura des surprises à l'avant. Kobwa cyangwa umuhungu akarwana intambara akarwana agashaka Imana agatinya Imana agakunda Imana finally igihe kikagera akarungurwa cyangwa akarongora akisanga mu rugo icyo ni kimwe ariko nibivuze ngo ubu ibintu byose birarangiye hari ibindi bihari utazi bigutegereje. Un jeune homme, une jeune fille se bataille en cherchant Dieu, en craignant Dieu, en aimant Dieu, en priant, et à la fin il se marie, mais ça ne veut pas dire que c'est la fin de tous les problèmes. Finally mu nyuma y'intambara nyinshi sinari nzi ko nzarangiza kaminuza none ndayi irangije kubw'ubuntu bw'Imana mbonye akazi. Kuba ubonye akazi urangije kwiga ntabwo bivuze ngo birarangiye, hari ibindi uzarwana nabyo mu buzima bwawe. Après beaucoup de batailles, tu as enfin terminé tes études, tu as reçu le travail, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus de batailles dans ta vie. Kebisi turasenze umwaka wa mbere twiriza dusenga, dusenze uwa kabiri twiriza dusenga, finally Imana itugejeje ahacu, turahatuye, tuhageze twifuza turota, ntabwo bivuze ngo birarangiye, hari ibindi muzarwana nabyo. Kebisi enfin vient de passer une année, deux années à jeûner, et finalement Dieu va nous établir dans notre propre maison,
Mais à la fin, ça ne veut pas dire Après de longues batailles, tu étais dans la location, maintenant tu as ta propre propriété, ta maison, mais ça ne veut pas dire qu'il y aura d'autres batailles à l'avant. Et après un long épisode d'une longue maladie de toi-même ou bien de ta famille ou bien de ton bien-aimé, ça ne veut pas dire qu'après que tu es guéri, que cette épidémie n'est plus là, qu'il y aura d'autres batailles. Et certaines personnes peuvent interpréter qu'on est en train d'enseigner des choses qui sont compliquées pour les effrayer, mais non, c'est parce que les gens en fait n'aiment pas la vérité. Parce que pour certains, la vérité blesse. Pour certains, la vérité blesse. Mais ça n'enlève pas que c'est la vérité. Du temps de David, il y eut une famine. Durant, qui dura 3 ans. David a vu dans la première année qu'il avait une grande famine. Et je me dis que dans les années durant, après les géologistes, les météorologistes et les agriculteurs, pour voir quel est le problème, il utilisait sa pensée, sa sagesse. Pour 3 ans. David disait non, allez chercher la résolution de ce problème. Faites des recherches, des analyses, donnez-moi la réponse, donnez-moi une solution pour 1 année. 2 années et 3 années. Et David a su après 3 ans que le problème n'était pas la terre, n'était pas la météo ou bien l'air, mais c'est l'esprit. Mais c'est après 3 ans qu'il a réalisé cela. Probablement des familles qui ont fait l'exode. Il y a des enfants qui ont laissé tomber l'école pour aller travailler. Il y a des emplois qui ont été dégagés parce qu'il y a une famine. Et après, il a reçu conscience. Après 3 ans, il a dit, je vais chercher la réponse. Et David chercha la face de l'Éternel. Après 3 ans, David chercha la face de l'Éternel. En d'autres mots, ma sagesse, ma force, mes connexions, mon argent ont des limites. Donc je vais aller à une autre dimension qui est la dimension surnaturelle. Et c'est cela qu'on va prendre un temps à étudier pour qu'on établisse comprendre la compréhension du monde spirituel. Pourquoi je lève tôt, je travaille durement, mais je ne vois pas de résultat. Je suis une belle fille, je suis au temps de mariage, mais je n'ai aucun partenaire. Qu'est-ce qui se passe?
ndumukozi ariko igihe cyose amamora ibibazo n'abakoresha igihe cyose ndakora ndumukozi mwiza bajya bamana igihembo cy'umukozi mwiza ariko nta n'umwe bajya bazamura amafaranga nta na promosiyo bajya bamasinzi ikibazo ukiri kubera iki nuko hari igihari ariko ntabwo urabishakira igisubizo. Je bosse fort durement et je suis un bon travailleur, je reçois même des récompenses, mais j'ai jamais une promotion ou bien un ajout sur mon salaire et j'ai toujours des problèmes avec mes superviseurs. Pourquoi? Nigaga neza ndumuhanga ndumunyabwenge ariko igihe kigeze cyo gukora ibizamini bisoza amashuri sinzi ibyambayeho none ndamaze imyaka itatu sinarangije amashuri ntago nsinkora ndaho ni igiki cyahabaye icyo kiraho hari ikibazo gihari nibyo tugiye kwicaza uku kwezi kwa gatatu n'ukwezi kwa kabiri gusoza usobanukirwe ibimbaho hari impamvu yabyo haraho bituruka hari cyabiteye kuhaba. J'étais intelligent, j'étais dans l'école, mais maintenant j'ai laissé tomber au bout final avec les examens de l'année ou bien de national. Et j'ai passé 3 ans, je n'ai pas de travail, je suis juste là. Maintenant on va prendre un temps pour étudier que tout ce qui nous arrive a une cause. Twese iwacu dufite ikintu cye kidukurikirana igihe cyose mu myaka runaka bamutera inda cyangwa agatera inda ni nk'itegeko nta udasiga umwana mu rugo byamaze kubihame ni kubera iki utarashaka igisubizo uri inyuma utarayitwara mutegereze na bazayitwara. Et dans la famille on a quelque chose qui nous poursuit, donc si elle a une fille elle est enceinte ou bien si un garçon il enceinte une fille, donc il y a des choses qui se bousculent qui passe dans la famille. Umwanzi cyazi gukora abishakira amazina meza kugira ngo hatagira ubivumbura bigagira impamvu. Et l'ennemi, ce qu'il fait, il cherche des noms pour que les personnes n'aillent pas chercher au-delà de ce qu'ils voient. Gutya mu myaka 39 akarwara akabyimba hano gutya akajya kwa muganga bakamubaga kanseri pa kabarapfuye bikitwa ko yeze kanseri ariko hari imyaka hari kodirani yuko iwabo ku myaka runaka abagomba gucyurwa. Il y a 39 ans de nulle part soudainement une personne a une petite tumeur qui est sur la jambe et c'est devient un cancer, mais c'est un principe, une loi que dans la famille à cette année-là il doit avoir un cancer. Baracuruza bakazamuka bakagira intera igaragara bagatangira kurota ko bishoboka bagatangira kubona ko no wabarwa mu mubare w'abafite icyo batunze runaka yagera hantu pa sinzi ikihaba sinzi uko bigenda nawe ntiyabisobanura akamanuka agasubira aho yatangiriye nyuma y'imyaka 10 akora amaze kwegeranya amaze kugira inzozi agasubira kuri case de départ aho yatangiriye akaba ariho yisanga. Une personne peut travailler durement, elle prospère, elle monte et jusqu'à un niveau après 10 ans il a une chute libre qui s'opère dans sa vie, elle revient à la case départ. Ngubabo bose iyo bagiye kurongora sinzi ukuntu bigenda bagahura n'amabandikazi y'abagore ku buryo nta wugira urugo ruzima bose bakunda Imana bakuriye no mu nzu y'Imana ndetse bumva bazagira ngo ariko iyo bigize igihe cyo gushaka sinzi ibitekerezo bimufata agahura n'ibandikazi rikamubiza icyuya agasigara yicuza kubera iki nashatse ariko ni ngo iri ahantu nta wabo uzashaka neza. Il y a même des garçons qui aiment Dieu, qui ont grandi dans la maison de Dieu, mais au temps du mariage, parce qu'il y a des liens dans la famille, ils n'ont pas jamais un bon mariage. Na wabuzagira ubukwe bose barabizi ko igihe cyo gushaka iyo kigeze ntago amenya uko bigenze nta nubwo agarura ubwenge yisanga asigaye abana n'umugore akavuga ngo tusigaye tubana ariko ntago yasobanura uko byagenze iyo ashubije amaso inyuma ntago azi uko byagenze. Ou bien des liens qui disent qu'ils ne vont jamais se marier et à la fois soudainement la personne se rend compte qu'en fait elle est en train de vivre avec la personne mais illégalement sans mariage. Ibyo byose mvuze shakwa byarakubayeho shakwa byarabaye kubi wanyu shakwa byarabaye ku nshuti ku muturanyi cyangwa abantu uzi ni kibishatse kuvuga hari umwuka uri inyuma ubitera ntago bipfa kuhaba ntago ari accident ntago ari impanuka ntago byapfuye kuhaba hari cyabitegetse kuba. Et tous ces exemples que je viens de donner, probablement ça s'est passé sur toi ou la vie des tiens, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a une cause et c'est un esprit qui est derrière qui cause tout cela. Et donc quand David a vu que la famine durait, il est allé chercher la face de l'Éternel. Il est cherché la face de l'Éternel. En autre langage, il est allé dans le monde invisible, spirituel, pour chercher la réponse
dans le monde visible. Aller chercher la face de l'Éternel, c'est parce qu'il sait que l'Éternel peut révéler ce qui est caché dans le monde visible. Pour ceux, les païens, ils vont vers les féticheurs. Pour ceux qui ne craignent pas Dieu, ils vont en Tanzanie. Et après ils le disent, voilà ceci et ceci s'est passé, fais ceci et ceci pour que ça se passe. Nous croyons dans l'Éternel et on va chercher la face de l'Éternel pour qu'il nous révèle. On prend le temps pour aller chercher la face de l'Éternel pour qu'il nous donne la compréhension et de comprendre ce qui se passe. Et pour une personne qui ne comprend pas le monde spirituel, ils disent que c'est un hasard ou une coïncidence que les choses se sont passées comme cela. Mais non, c'est pas comme cela que ça marche. Dites Amen. Dis à ton ami, ne sommeille pas, on est en train de parler des choses. Il y a des personnes qui sont en train de me photographier, mais je pensais que c'est Yabes et Prince seulement qui me photographient. Uwiteka aravuga ati bitewe na Sauli n'inzu ye yabicanyi kuko yishe abigibeyoni. Et l'Éternel dit, c'est à cause de Saul et de sa maison sanguinaire, c'est parce qu'il a fait périr les Gabaonites. Nigute Dawid umukunzi w'Imana Imana ikunda arimo ararwana n'ikibazo cyatewe n'uwo yasimbuye kandi utaratinya Imana mu gusoza kwe. Pourquoi est-ce que David est en train de souffrir les conséquences qui ont été faites par une la personne qui l'a succédé et qui ne craignait pas Dieu? Pourquoi est-ce que je suis en train de souffrir des conséquences de mon père, de ce qu'il a fait? Il était païen, il n'aimait pas Dieu, il aimait mort. Et mais moi j'aime Dieu. Je crains Dieu. L'Éternel a dit, David, c'est pas toi le problème. Le problème c'est le trône dont tu es assis. Le trône dont tu es assis a fait beaucoup d'erreurs. Même si le trône est là, il y a un problème avec le trône. C'est pour cela que ces deux personnes qui sont sauvées, quand tu as le travail, ne va pas juste dans un bureau comme cela, parce que tu ne sais pas que la personne que tu as succédé, ce qu'elle a fait, elle a entronné son Dieu, tu dois entronner ton Dieu aussi. Et même j'ai vu des personnes dont tu dis, il y a 6 personnes, 7 personnes, ils vont me voir et tu as la honte. Mais les autres n'ont pas la honte parce que j'ai vu des musulmans qui priaient dans l'avion. Autant venu. Donc les autres n'ont pas la honte d'entronner leur Dieu. N'ayez pas honte aussi. Prends de l'huile, déverse la tôt avant les autres sur la table, sur ta chaise, et entronne ton Dieu. Enlève tout et parle et entronne Dieu et sa bénédiction dans ton travail. Dès que je viens de la prière, je prends toujours de l'huile pour déverser sur toute la maison et je prie aussi pour ma famille.
nishaka mbikore buri cyumweru mu rugo rwanje ninzu ni wanje ndimo ndimika imana yande sinitaye ibyo umuntu yavuga ibyo yatekereza ndimo ndimika imana yange kubera iki sinzi uwaba afite ibyagambiriye yakora ntazi niyo mpamvu ntago ntegereza igihe nzajya kwivuza mfata urukingo hakiri kare. Et donc je fais j'entrôle Dieu dans ma maison, j'attends pas le conseil des autres parce que c'est pas ce que les autres planifient, donc j'entrôle mon Dieu et je veux me prévenir avant la guérison. David aime Dieu. Il craint Dieu. Et c'est pour cela qu'il aime aimer. Mais il était par. Il était distrait pour les trois ans. Tu connaissais l'éternel. Tu parlais avec l'éternel. Comment est-ce que tu as passé trois ans cherchant la réponse sans aller vers l'éternel? Ne soyez pas distrait. D'amener les gens qui viennent du monde rural sans connaître ce qu'ils ont fait et de vivre ou bien de dormir avec tes enfants. Une personne que tu connais pas te donne des habits parce que tu aimes les habits, tu portes les habits sans vraiment voir préméditer ce qui est derrière. Tu es insensé. Tu sais qu'il y a des rumeurs qui disent que cette personne-là est dans le monde des ténèbres. Elle amène un sac d'haricots et tu manges comme cela. Tu es insensé. Ne soyez pas distrait. Levez-vous et soyez ouverts des yeux et ayez une sagesse. Tu sais que tu as un problème avec ta belle-mère. Tu sais qu'elle t'aime pas. Mais tu vas chez la belle-mère, tu y es juste comme cela, tu manges. Ayez de la sagesse. Ayez de la sagesse. Tu sais que ta mère n'est pas facile. Tu sais qu'elle n'était pas facile. Tu as trois ans et tu as trois fils et tu ne peux pas. Et ne pas donner juste le sang, mais t'as donné aussi son héritage qui est mauvais. Tu sais que ton père était un alcoolique. Si tu ne prends pas un temps pour prier que Dieu te délivre, tu vas être alcoolique aussi. Ne soyez pas distrait. Toi, tu envoies juste l'argent. Tu sais même pas où l'argent, ils emmènent ton argent en fait. Tu envoies juste l'argent. Mais tu ne sais pas ce qu'ils font avec ton argent. Mais papa, tu peux demander, est-ce que papa, on va maintenant analyser toutes les personnes, comment donner de l'argent? Non, l'esprit va te dire, donne pas à ces personnes-là. Je suis pas en train de vous dire d'être suspicieux de chaque personne et de toute personne, mais quand tu auras la compréhension, l'esprit va te dire, sois prudent avec cette personne, que cette personne ne vient plus à ta maison. Et je le dis ceci avec un cœur qui est chagriné. J'ai un cœur chagriné en vous disant ceci. Et c'est pas ce que je désire. Je voulais pas même que ça se passe comme ceci. Mais j'ai une tante qui ne peut pas venir chez moi. Elle peut pas venir je ne peux pas accepter qu'elle vienne. Je ne peux pas accepter qu'elle vienne. Mais c'est ma tante. Et je le sais. Et elle le sait aussi. Et même ce n'est pas une, c'est beaucoup. Et donc, dans ce que je vous dis, j'ai une expérience. C'est pas une seule. On se connaît très bien. Et même Dieu m'a dit, tu vois, ta famille, parmi ta famille, les deux personnes, ils ont peur de toi. Ils disent que tu es un chimiste. Mais la chimie, c'est pas juste les herbes. La sorcellerie. Bon,
Oui, je suis un sorcier. Parce que quand je m'agenouille, leurs choses sont anéanties. Je prends 3 jours en jeûnant et en priant et leur plan tout est anéanti sans savoir comment. Ils ne connaissent aucun de mes enfants. Mais les tantes m'ont vu naître, même grandir. Mais mes voix et leurs voix sont très différentes. Je l'ai dit très fortement, clairement, si tu continues dans ta voix, on n'est pas ensemble. Il regarde d'un côté, je regarde de l'autre. Et vous pensez que je vais juste la voir et manger de sa nourriture juste comme cela? Parce que je suis plein de l'esprit et c'est ma tante. Parce que je chasse les démons. Je vais dire à ma tante d'amener ta nourriture que je mange. Mais bien que les sorciers qui peuvent t'ensorceler et que tu meurs, mais ce qui est pire, c'est t'ensorceler que tu ne meurs pas. Parce que quand on sorcelle et que tu meurs, c'est bien. C'est juste tué en fait. Mais ceux qui sont pires, c'est ceux qui t'ensorcellent sans que tu meurs. Ils restent là, ça va te tuer, même des générations à venir. Et tu meurs en sa face. Il dit, voilà, tu as étudié, c'est vrai, mais tu ne vas pas travailler. Ou bien tu es une grande fille, mais tu ne seras jamais marié. Tu as la barbe, mais tu ne seras jamais appelé un homme. Tu as du travail, mais tu seras pour avoir quelque chose. Combien ici ont travaillé, ont eu le salaire ou tout, mais ils n'ont aucun résultat tangible dans leur vie. C'est à cause de Saul et de sa maison sanguinaire, c'est parce qu'il a fait périr les Gabonites. Mais Et donc ici, David a compris parce que Josué avait fait une alliance avec les Gabaonites qu'ils serviront les Israélites mais qu'ils ne périront jamais. Et Saul, dans son zèle pour la protection et la prospérité d'Israël, a tué les Gabaonites en sachant, en se disant qu'il faisait quelque chose de bien, mais il a mis en péril Israël. Une jeune fille vient devant toi, elle pleure et pleurote et te demande de l'argent pour résoudre un problème, mais en fait, elle veut aller avorter. Et donc, en d'autres mots, tu as pris ton argent et tu t'es connecté avec le monde des ténèbres parce que tu as sponsorisé une tueuse. Tu t'es connecté avec ses péchés. Et là, tu vois des problèmes qui commencent à venir dans tes finances et dans ton argent parce que tu t'es connecté avec le monde des ténèbres. Et je ne veux pas même parler des personnes qui te demandent de l'argent pour aller aux féticheurs. Église, soyez éveillés. Soyez éveillés. Que vous voyez. Et ne soyez pas distraits ou insensés. Le monde invisible, il est là, il est réel. Et quelle est la relation entre la famine qui se durait et la tuerie des Gabaonites? Il y avait un meurtre des Gabaonites. Quelle est la relation avec la famine? C'est comme cela que le monde spirituel marche.
L'ennemi attendait seulement. Il disait, je sais que c'est David est Dieu. Je sais que je ne peux pas faire cela sur le trône de Saul parce que Saul je l'ai. Parce que j'ai cette carte derrière moi. J'ai toujours ce code avec moi. Je vais attaquer David avec cette carte-là, mais pas Saul. Pourquoi est-ce que l'ennemi n'a pas fait cela sur le temps de Saul? C'est parce que Saul était son pion. Saul n'était plus dans la grâce de l'Éternel. Mais la carte était toujours dans la main de l'ennemi. Le code était toujours là. Et après que David ait été entronné roi, et après que la bataille entre la famille de David et de Saul était terminée, quand il commençait à rêver maintenant de plus grand, là la carte a été jouée par l'ennemi. Parce que toutefois, là, il y a une carte que l'ennemi a et il sait quand la jouer. Il sait quand il va la jouer. Quand j'étais païen, j'ai passé une nuit quelque part. J'étais païen, il avait une fille dans cette maison. Et j'étais vraiment au top, j'avais bu. Et j'ai dit, je vais voir cette fille. Ok, il ne va pas m'échapper, merci. Et Dieu m'a sauvé. Et là, Dieu m'a délivré maintenant. Il m'a ouvert les yeux pour voir de ce qui m'a délivré. Je ne sais pas comment le remercier. Parce que j'avais bu. Je me suis endormi. Et donc mes plans ont été aboutis. J'ai oublié tout et après j'ai été sauvé. Et donc ma vie a changé parce que durant les 40 jours que j'ai fait au mois de juin, Dieu m'a rappelé. Parce qu'il me parlait à vis-à-vis de ma vie. Et il m'a dit, tu te rappelles de ce moment-là quand tu étais ivre et que tu avais planifié de coucher avec la fille là où tu étais dans cette maison? Toutes les choses qui concernent ta famille étaient liées là. Si tu avais couché avec cette fille-là, elle aurait été enceinte. Parce que c'était le plan de l'ennemi. Donc, elle aurait été enceinte de toi. Et après, elle aurait donné naissance à un enfant débile. Et tu mourras en se battant avec cet enfant. Et donc, je t'ai sauvé. Et certains de nous, ils nous sauvent aussi. Certains de nous, ils nous délivrent. Moi, je pensais que j'allais faire ce que tout jeune homme qui est ivre doit faire. Mais il y avait un code derrière l'esprit de l'ennemi qui disait, je veux juste le faire. Et donc là, l'ennemi voulait en fait que je couche avec la fille pour qu'il me bloque comme il a bloqué mon père et ma famille. Mais Dieu m'a délivré parce qu'il m'avait choisi. David ajya kubaza Imana, Imana iramubwira, wagize ngo ni umukino, uwo wasimbuye yakoze ishyano, yavuguruza ijambo Yoshua yavuze, niyo mpamvu kugira ngo ubikire. Maze umwami ahamagara b'i Gibeoni arababwira ati, kandi b'i Gibeoni ntibari umiryango wa Isirayeli, ahubwo bari abamoni bacitse ku icumu, kandi abayisirayeli barasezeranye nabo, ariko Sawuli yashakaga kubica. Abitewe n'ikira mumfasha, abitewe n'iki? N'ishyaka yagiriraga abandi
Abayisraeli n'abayuda. Et donc là, Saul était l'agent causeur de ce que la famille était là. Et donc le roi Dawidi abaza Gibeon ati mbagirire nte natanga w'ikimpongano kugira ngo mbasebereho kugira ngo mudusabire. Bamaze kuvuga ngo ntabwo ari abayisraeli n'abamoni, abamoni n'ababara abapagani. None Dawidi ahinduye imvugo kugira ngo mudusabire gakondo y'Uwiteka umugisha. How come umupagani agiye gusabira Israel umugisha kubera iki? Mwakoze code mwarayishe, mwakoze icyo mutagombaga gukora. Therefore murabagaragu babo bungubu nibo bafite authority kuri mwebwe. Et donc là on voit que les Gabaonites étaient en fait des Amoréens qui n'étaient donc étaient des païens. Et David aux Gabaonites, verset 3, que puis-je faire pour vous? Avec quoi ferai-je expiation afin que vous bénissiez l'héritage de l'Éternel? Comment est-ce que des païens bénissent l'héritage de l'Éternel? Kuri Sawuli kubera iki twebwe ikibazo ntago tugifitanye nawe ariko kubera umwuka yategetse we ntago ari tukatugenga igihe bizakorerwa umwuka we yategetse ko bigwa kuri wowe rero natwe ikibazo si wowe ni Sawuli duhaba mu muryango wa Sawuli. Et donc là les Gabonites ont été clairs, ils ont dit on pas de problème avec Israël, on n'a pas de problème avec toi, mais parce que ça a été à ton temps on a un problème avec Saul qui nous a meurtri. Munsi dukuru ubukwe gye n'umudamu wanje. Quand on s'est marié avec mon épouse, et j'étais vraiment sage, intelligent. Et j'ai dit, mon épouse, je veux que tu m'entendes. Là où, d'où je viens, ce n'est pas facile. Parmi les personnes qui vont... Ok, dans les coutumes des mariages, certaines des personnes qui vont venir, et je veux que tu sois sage, mon épouse. Un vrai Rwandais, il cache les choses de sa famille, mais qui peut tuer son épouse ou son époux pour qu'elle ne voit pas les problèmes de ma famille. Ça, c'est pas les secrets de ta famille, c'est des ténèbres. C'est des ténèbres. Et donc, ne cachez pas cela. Ne vous associez pas aux ténèbres. Exposez les ténèbres. Vous êtes de la lumière. Et n'acceptez pas de vous associer aux ténèbres. Et donc, j'ai dit à mon épouse, parmi les personnes qui vont venir dans cette coutume-là, il y a des personnes que je connais qui sont dans les ténèbres. Et j'ai dit, quand le temps va venir, j'ai dit à une personne, viens, je requis que tu sois là. Et quand on va couper les cheveux qu'on coupe, même si ce serait une perruque. Et donc j'ai dit à cette personne, quand on va couper les cheveux, si ce n'est pas sa propre chevelure qu'on va couper, je veux que tu gardes ces les cheveux là. Et donc la personne était sauvée, elle a compris mon langage. Et donc c'est comme si Dieu faisait en fait montrer à mon épouse que là où tu viens, la famille ne joue pas. Ils sont vraiment dans les ténèbres. Oh, dans les ténèbres. Et mon épouse n'avait pas vu cela. Et donc après ils ont dit, ils ont parlé de leur parole, ils ont donné les cadeaux, ils ont dit maintenant on va couper les cheveux. Ils ont amené un ciseau et une petite assiette. Ils ont coupé les cheveux et les cheveux sont tombés sur l'assiette et ils ont parlé avec l'assiette dans les mains. On était là, moi et mon épouse, et maintenant on va donner le lait aux enfants. Et le grand chimiste, il était là. La tante là que je vous ai parlé, elle était là. Et donc c'est comme s'il n'était pas là, mais il était sur une mission. Et parce que je le savais, je l'ai vu.
Et je regardais la personne que j'avais parlé. Et là, la personne a faufilé son bras. Ngwino hano Serge. Agara ureba hari. Sa nkufasha ikintu maboko yawe. Donc voilà, la personne prenait l'assiette. Abasaza bari kuvuga amagambo. Et là, les personnes parlent avec des paroles. Grand chimiste we yarari maragira gutya. La tante là faisait ce ça. C'est là. Uwo nabwiye nawe agakomeza kigiza amaboko imbere. Et la personne agahindukira akagira gutya. Faisait dégager. Donc les autres ont donné le lait, il y avait des paroles, mais il y a un autre film qui se déroule. Il y a un film qui se déroule. Et c'est pas un jeu. Il a quelque chose qu'elle veut. C'est pas juste la chevelure. Il y a quelque chose qu'elle veut faire avec la chevelure. Parce qu'il sait qu'à ce temps-là, ils sont distraits, les personnes sont distraites. Mais il savait, j'avais je donnais le lait aux enfants, mais je la regardais. Je regardais le film qui se déroule. Les vieux ne connaissent pas ce qui se passe. Donc les enfants, on les donnait à une bonne maison. Le signe de donner le lait, c'est la prospérité dans la famille. Mais il y a une tante qui veut faire notre prospérité. Il y a notre affaire qui se déroule. Donc la personne faisait bouger la personne. Même la personne le faisait aller devant. Et la tante disait, ah, pourquoi est-ce que je peux. Et la personne venait encore, mais voulait prendre la chevelure. Et là, même mon épouse a vu tout le film. Et après que toutes les personnes étaient rentrées, mon épouse m'a dit, hey, quelle famille je suis, j'ai épousé dans. Et je lui ai dit, c'est pour cela que je te l'ai dit avant. Je voulais que tu le saches. Pour que tu ne sois pas distraite et que tu penses que toutes les personnes sont bien. Parce que dans ce monde, c'est pas un jeu. Il y a des gens qui ont des mauvais plans. Parce qu'ils doivent aboutir au plan de leur maître. Ils ont même ils ont des missions. Et même, ils viennent ici dans l'église. L'année dernière, je vous avais dit que je vais découvrir une personne qui est ici. Et je la connais. Et la personne connaît que je la connais. Et la personne vient toujours. Et je lui ai donné un temps de repentance. Et si au temps de repentance est terminé, elle sait que je la connais. Et elle sait que je la connais. Donc on se connaît en d'autres. On se connaît très bien. Il est venu ici dans une mission. Je lui ai donné un temps de repentance pour qu'elle soit transformée. Et quand le temps sera à fin, c'est deux choses qui vont se passer. Elle va partir d'elle-même. Ou bien je vais relâcher une parole sur elle et elle aura des problèmes. Icyo dushaka kuri Sawuli n'umuryango we si feza cyangwa izahabu kandi si ibyacu kugira ngo umuntu kugira umuntu twica mu Bisirayeli nawe aravuga ati uko mushaka niko nzabagira David aravuga iyo mvugo ndayizi mumbwire icyo mushaka. Les Gabaonites lui répondirent, ce n'est pas pour une question d'argent et d'or avec Saul, avec sa maison, et ce n'est pas à nous qu'ils appartiennent de faire mourir personne en Israël. Le roi dit, que voulez-vous pour que cette famine soit déracinée? Parce que David veut déraciner le problème. Et le problème, c'est que nous, chrétiens, veulent qu'on résout le problème sans déraciner. Qu'est-ce que j'appelle ne pas déraciner le problème? C'est couper juste les tiges de l'arbre, mais sans le déraciner. Et de te dire que tu as résolu le problème, mais les racines sont toujours là. C'est de te battre avec l'impudicité, mais sans savoir vraiment la racine de cette impudicité dans ta vie. C'est de repentir toujours en pleurant devant l'Éternel parce que tu t'es masturbé, mais jusqu'au temps où tu auras besoin de savoir
quelle est la source de cette chose. Igihe cyose ugwa mu mutego w'amafaranga y'abandi wibye ntabwo washaka kwiba ariko bisanga wayibye kugeza umunsi washase kumenya iki kintu gituruka hehe. Tu tombes toujours dans un piège de l'argent des autres, c'est comme si tu as volé mais tu n'es pas un voleur jusqu'au temps où tu vas savoir quel est le problème ou le source, la source. Bati uwo mugabo waturimbuye akadushakira ubwenge bwo kudutsemba ngo tutaba mu bihugu bya Isiraeli byose. Il répondit au roi, puisque cet homme nous a consumés et qu'il avait le projet de nous détruire pour nous faire disparaître de tous les territoires d'Israël. Qu'on nous livre cet homme d'entre ses fils et nous les pendrons devant l'Éternel à Gibéa de Saul, l'élu de l'Éternel. Et le roi dit, je les livrerai. Le roi David n'a pas dit, est-ce que je peux, on peut négocier avec de l'or? Parce qu'il avait de l'or. Ou bien dire, ok, négocions, on peut vous donner du bétail au lieu de vous donner. Parce que David savait qu'un code doit être décodé par un autre. Une loi est enlevée par une autre. Vous savez pourquoi on peut demander le pardon et non le pardon? Et c'est parce qu'il y a une personne qui a déversé son sang à Golgotha et son sang parle pour nous. Parce que si le sang n'était pas déversé, on n'aura jamais le pardon. Parce que dans le principe de Dieu, il savait que pour le péché d'être pardonné, c'est pas juste les bonnes paroles que tu donnes, ou bien que tu parles avant l'Éternel, mais c'est pas le sang qui est déversé. Et de même, les Gabonites avaient dit, on a besoin de 7 fils de la maison de Saul, qu'on les pend devant l'Éternel. Et David a dit, je vais les livrer. Ariko umwami arokora Mefibosheti mwene Yonatani mwene Sawuli kubw'indahiro Dawidi na Yonatani mwene Sawuli barahiranye imbere y'Uwiteka. Dawidi nawe arabimenya nubwo ngiye gutanga bo kwa Sawuli ariko nange hari code mfite ahantu. Et le roi épargna Mephibosheth, fils de Jonathan, fils de Saul, à cause du serment qu'avait fait entre eux devant l'Éternel, David et Jonathan, fils de Saul. Ici, l'ennemi attendait que David fasse cette erreur. L'ennemi disait, je veux que David fasse cette erreur. Parce que Jonathan n'est plus, je veux que David oublie le serment qu'il avait fait avec lui. Et pour qu'il livre Mephibosheth aussi. Et même s'il va délivrer Israël, je vais prendre David. Mais David était sage. Le roi épargna Mephibosheth, fils de Jonathan. Abatanga mu maboko y'Abigibeyoni babamanika ku musozi imbere y'Uwiteka bapfira icyarimwe bose uko ari barindwi bicwa mu isarura rigitangira batangiye gusarura Sayiri. Et là, le roi les a livrés et entre les mains des Gabaonites qui les pendirent sur la montagne devant l'Éternel et tous les sept périr ensemble. Ils furent mis à mort dans les premiers jours de la moisson, David au commencement de la moisson des orges. Après que David avait livré les enfants, quand les Gabaonites avaient pendu les fils de Saul, après qu'ils les avaient pendus à mort, là, la famine a été déracinée. Comment est-ce qu'on peut expliquer que maintenant la terre est en train de prospérer, il n'y a plus de famine, avec la relation avec le pendement des personnes? C'est parce que le code qui bloquait la terre d'être fertile, c'était dans l'esprit. C'était dans le monde spirituel. C'était pas visible. Mais maintenant, parce que le principe a été activé, maintenant, il y a de la nourriture. Josué 6:26.
Il y a une histoire que j'aime. Icyo gihe Yosuwa arabihanangiriza arahira ati umuntu uzahaguruka akajya kubaka uyu mudugudu w'i Yeriko avumwe imbere y'Uwiteka ndabaza n'Uwiteka ubivuze cyangwa ni Yosuwa. Ici, Josué a fait un serment. Est-ce que c'est l'Éternel ou bien Josué qui a fait le serment? Qui est-ce qu'il a dit? C'est Josué ou bien c'est l'Éternel? Yoshua arabihanangiriza arahira ati umuntu uzahaguruka akajya kubaka uyu mudugudu w'i Yeriko avumwe imbere y'Uwiteka igihe azubaka urufatiro rwaho azafuca imfura ye n'igihe azahaterera inzugi z'amarembo azafusha umuhererezi we. Et ce fut alors que Josué jura en disant « Maudit soit devant l'Éternel, l'homme qui se lèvera pour rebâtir cette ville de Jéricho. Il en jettera les fondements au prix de son premier-né et il en passera les portes au prix de son plus jeune fils. » Et Josué est mort après. Même toute sa génération a péri. Et les juges sont venus. Rusi hazaho Samweli hazahabami ibintu birakomeza yaravuze yarapfuye byararangiye kera. Et même il y avait Ruth, Samuel, les prophètes et les rois, mais Jésus avait relâché cette parole il y avait longtemps. Ndasaba ahantu mukurikire ngiye kubabwira ibintu bikomeye. Et je veux que vous soyez attentifs ici parce que je vais parler de grandes choses. Yoshua yakoze indahiro. Parce que Josué a fait un serment devant l'Éternel. Et il a déclaré que ceux qui vont faire après, ou bien de ne pas suivre ce qu'il a dit, il y aura des conséquences. Certains d'entre nous, certaines des choses qu'on se bat avec, nuko hari umuntu wavuze ijambo abanjye bose ndabaguhaye abahaye nyabingi abahaye ryangombe abahaye imana z'ibigirwamana arekuye ijambo akoze igikorwa amenya amaraso aravuze urubyaro rwanjye rwose ndaruguhaye arapfa hashize imyaka 100 ariko nge nawe tukisanga tukirwana n'ikintu uriya muntu yavuze kubera iki yagikoze mu isi y'umwuka hatagize ukivuguruza kiracyicaye. Et donc il y a des personnes en fait qui disaient « Je te donne toute ma famille, même à déverser son sang pour donner la famille aux idoles qu'on appelle Nyavingi et d'autres. » Et parce qu'on se bat, parce qu'on est de l'Éternel, on se bat avec la parole que la personne a relâchée des années et des années. Josué est mort et même parti. Mais ce qu'il a dit, il a dit devant l'Éternel. En d'autres mots, il a mis un code. Code un code spirituel était Yoshua là. Josué est mort. Et quand on lit en 1 roi 6, 16, 34, en 1 roi 16, 34, au trône ou bien au règne d'Ahab, d'Akab, entre Josué et Akab, il y a beaucoup d'années. Hieri wi beteri yubaki Yeriko. Hiel de Bethel bâtit Jéricho. Hiel a acheté une parcelle. Et il voulait en fait acheter une parcelle pour construire une maison pour sa famille. Parce qu'Yel se disait à Jéricho, personne ne bâtit cette place-là, et donc je ne vais pas être distrait, je vais prendre le projet et bâtir. Il bâtit Jéricho. Il en jeta les fondements au prix d'Abiram, son premier-né. Abiram, son premier-né. Et quand Abiram est mort, probablement ils ont cherché une raison. Il a été ensorcelé. Donc on doit chercher une raison pour la mort d'Abiram. Ou bien c'est Abiram est né avec l'asthme. Ou bien l'hépatite B. Ou bien il avait des problèmes dans ses intestins. Son œsophage était bloqué, ne pouvait pas manger. Personne ne sait ce qui a tué Abiram. Mais
dans le monde spirituel, ils savent la cause de sa mort. Mais ceux qui font partie du monde visible ne connaissent pas. Mais Abiram est parti. Probablement, il avait des projets pour Abiram. Il avait des projets qu'Abiram va grandir en un bon garçon, qu'il va lui succéder. Ou bien qu'il va même accueillir son mari. Ou bien même il bâtissait sa maison pour son mari. Ou bien l'industrie vont travailler pour prospérer. Mais ceux qui ne connaissaient pas, c'est qu'il y a un code derrière ce qu'il faisait. It's not a matter of time. Nagari gihe gusa. It's just a matter of time. I'm sorry. Abo ni kubwima ni gihe gito gusa. Wowe bihigihe gusa. Don't just un peu de temps. Ni bihigihe gusa. Don't cela un peu de temps. Igihe kizadera hagira ibyivangura. Il y aura un temps où tout sera. Ndashubiza amaso inyuma nkibuka abantu twiganye nko mu wa kane secondaire. Je prends un temps pour réfléchir, revoir les personnes dont on étudie ensemble dans le quatrième secondaire. Quatrième, cinquième, sixième secondaire. Dans le cycle supérieur du secondaire. Ou même dans l'université. Et donc tu vois la vie des personnes que tu étudies ensemble, des amis. Et donc après, je réalise en fait, à mon âge aujourd'hui, que mes amis là, il y a certains qui sont qui font le travail de sécurité, ou bien ils sont morts. Et donc je vois en fait que les liens de leur famille les a amenés dans ces voies-là. Parce que quand vous étiez jeune, vous ne pouvez pas penser à cela. Vous rêviez de beaucoup de choses. Mais ce que vous ne connaissez pas, il y a des années, avec un temps, vous serez quelque part. Et donc là, tu vois en fait, après des années et des années, tu réalises en fait que voilà, la personne est devenue grande ou bien petite, ou bien elle n'est plus à la mode comme on le pensait, mais c'est parce qu'il y a un code spirituel quelque part qui n'était pas activé à ce temps, mais qui est activé après. Abiram, quelle était la cause Abiram, de sa mort? Pourquoi est-ce que tu es mort très jeune? Abiram, pourquoi est-ce que tu es mort dès un jeune âge? Mais Yael pensait en fait qu'il était en train de faire un projet. Il pensait qu'il a amené une innovation. Il pensait qu'il avait découvert quelque chose. Ou bien qu'il avait eu de l'ordre. Qu'il faisait prospérer sa famille. Et il imposa les portes prix de Ségub, qui sont plus jeunes fils. Et là, on dit selon la parole que l'Éternel avait dit par Josué, fils de Nun. Ici, est-ce que c'est l'Éternel qui avait parlé en Josué ou bien c'était Josué qui l'a relâché la parole? C'est pas l'Éternel qui l'a dit. Mais parce que Josué a invoqué l'Éternel, l'Éternel était dedans. Et quand ça a été réalisé, c'est l'Éternel qui l'a réalisé. Parce que Josué n'est plus là. C'est de même avec nous, les paroles qu'on relâche sur nos enfants devant l'Éternel vont les poursuivre même après nous, des générations et des générations. Parce que l'Éternel est vie éternellement. Il garde la parole. Et à un temps, il réalise la parole. Et c'est comme cela, de même que l'ennemi opère. Si ton père a relâché certaines paroles,
et qui n'est une autre personne pour renverser, la parole est gardée par l'ennemi. Il attend à un temps précis et il fait, il agit selon la parole. Pour nous, certains certains d'entre nous qui sont sauvés, c'est parce qu'on vient devant l'Éternel. Mais c'est pas suffisant. On devrait aussi avoir la compréhension pour savoir ce qu'on doit renverser. Yeri aza kumenya yuko Yeriko ntago ari ahantu ho kubakwa. Si Yel avait su qu'en fait Jéricho n'était pas une place pour kubaka. Il n'allait pas bâtir à Jéricho. Ntago yari kugura muri ya butaka. Il n'allait pas acheter cette parcelle. Ntago yari kuzamura mabuye. Il n'aurait pas même érigé un bâtiment. Wende yari kwakoresha ikindi. Il pouvait utiliser cette parcelle pour autre chose. Ariko kuko hari ijambo ryavuzwe. Mais parce qu'il y avait une parole qui a été relâchée. Abiram, son premier-né, est mort. Abiram, son premier-né, est mort. Abiram est mort à cause de la distraction de son père. Même Segub, pardon, il est mort à cause de Yel, en fait. Nibingahe turwana nabyo bifite code byicaye ahantu kubera uburangare no kutabaza Imana impamvu yabyo. Combien de batailles nous battons-nous en parce qu'on n'a pas la sagesse d'aller demander à Dieu les codes dans lesquels on se bat en fait. Certains d'entre vous peuvent me demander, ok, donc quel est le rôle du sang de Jésus-Christ en fait? Le sang de Jésus-Christ a donné la rémission de tes péchés pour que tu peux aller devant Dieu et lui demander quel est le code de ton problème. Parce que les païens ne vont pas demander à Dieu. Parce qu'ils ne peuvent pas parler à l'Éternel. Avant de parler à l'Éternel, l'Éternel va lui dire, reçois Jésus-Christ. Et après qu'il ait reçu le sang, il pourra lui parler. Et donc on doit avoir la compréhension parce qu'on a le signe et le sceau de l'Esprit et du sang pour qu'on comprenne le monde spirituel. Et j'ai dit à un enfant, je ne sais pas pourquoi je n'ai pas confiance en ta mère. Ce que je ne veux pas, c'est qu'il y aura des choses qui vont se passer dans ta vie qui sera dur à expliquer. Certaines des choses qui sont dures pour moi, c'est parler des problèmes, mais qui ont maman dans cela, parce que en fait les mères devaient être une solution, pas un problème. Maman yagiye mu barangi abana be bose yarabakagiye abana be bose yarabazingazinze nyamara vuga imana ari ku mukecuru yicaye ku gicaniro cy'abarangi ntarekura abana be bose yarabakagiye uyu munwa ariko sinzi mambo antukase ariko mama wawe ntago mwize yaravuga ya tubabanzi. Et donc j'ai dit, donc sa mère est allée dans les féticheurs et a même un hôtel et a sacrifier tous ses enfants. Et là, parce que j'ai dit à mon enfant le problème, là, l'enfant ne voulait pas le reconnaître. On était comme des ennemis. Et donc, j'ai dit à Dieu, Dieu, je ne veux pas être ennemi de cet enfant-là, que tu le révèles à lui-même. Et j'aime Dieu et que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Et là, Dieu l'a révélé à la personne. Il l'a révélé à la personne. L'enfant là, le garçon et après, il ne voulait pas, il avait la honte de venir pour en parler avec lui. Et la première des choses, c'est que la maman en fait l'avait fait en pensant qu'il est en train de résoudre des problèmes. Et pensait qu'elle est en train d'aider ses enfants.
Les faux idoles, les faux dieux, c'est très facile de les découvrir, ou bien les démons. Parce qu'une des premières choses qui les caractérise, c'est la saleté. Là où il y a les nyabingi, les... voilà, il y a de la saleté. Mais là où il y a les abarangi, ils chantent les cantiques, ils lisent la Bible, ils parlent de Dieu. Donc pour les découvrir, ils savent vraiment se déguiser. Donc on a prié maman et moi pour une personne, et pour 4 heures elle ne pouvait pas parler, ne voulait pas parler, et juste dans l'aube, à la matinée, c'est là où elle a parlé avec une arrogance. Ça c'est les abarangi. Abiram na Segubu bazizi koko. Abiram et Segub sont morts. Pourquoi? Babuze papa ushaka gusobanukira ibyo agiye gukora. C'est parce que leur père ne pouvait pas comprendre ce qu'il devait faire. Tugira machenga ibyo agiye gukora. Donc et toujours la prudence en ce que tu fais. Tugira machenga ibyo agiye kugura. Sois prudent dans ce que tu vas acheter. Tugira makano kagira gutekereza mana urabivugaho iki? Dis en toi Dieu, qu'est-ce que tu penses? Dis en toi, est-ce que Dieu tu es avec moi dans cette projet? Dis dans Dieu, dans ce projet où je vais m'établir, est-ce que tu es avec moi? Ou bien quelque chose qui te dit, attends, patiente un peu. Chaque terre ou bien parcelle a son roi. En d'autres mots, en fait, les propriétaires de la terre ou bien de la parcelle, c'est ce qu'on appelle dans l'anglais les rois de ces terres-là. Et ce que je vous dis, vous le savez. Il y a certaines terres ou bien certaines régions ici au Rwanda où je connais les rois qui dirigent ces terres-là. Quand tu arrives à Butare ou à Ouye, tu fais la bienvenue aux fous. Quand tu arrives à Butare, c'est les personnes qui sont folles ou bien les fous qui te donnent la bienvenue. Parce que là où il y a plus de folie, c'est là où il y a la plus grande université au Rwanda. Mais ma kibungo, c'est la folie aussi. Et vous pensez que ça s'est fait juste comme cela? Vous pensez que c'est par hasard? Et même dans la région de Gisagara, il y a toujours des problèmes. Des personnes qui se sont tuées, se sont suicidées. Il a tué son épouse, il a tué ses fils, il a tué son mari, des choses comme cela. Même à Nyaruguru, il y a des rois qui dirigent la terre. Je vais juste stopper là. Il y a même d'autres régions aussi. Même Nyanza, c'est une des régions où il y avait le grand développement ici au Rwanda dans les temps derniers, dans les années dernières. Mais aujourd'hui, c'est l'une des régions qui sont derrière le développement, sous le développement aujourd'hui. Ils ont resté avec une seule chose. C'est Nyanza des rois, de la royauté. Mais il n'y a aucun développement.
Demande-toi pourquoi. Rwamagana. C'est là où les premiers Arabes qui faisaient le business est arrivé. Ils ont ensorcelé la terre. C'est une région où il y a beaucoup de problèmes inexplicables. Il y a des choses qui sont vraiment inexplicables. Et tout ce que je suis en train de vous dire, je ne l'ai pas lu dans un livre. Je peux le voir avec mes yeux. Il y a des rois qui conduisent cette terre-là, qui sont là, établis. Et ils ordonne tout ce qui se passe. Et avant qu'une personne de Dieu peut se lever pour les renverser, il y a des choses qui vont se passer. Ça, c'est le monde spirituel. C'est comme cela qu'il opère. Là où le monde spirituel ordonne, jusqu'à ce qu'une personne peut venir pour établir le royaume de Dieu. Parce que Jean dit que quand la lumière est venue, donc il y a des personnes qui doivent amener la lumière là pour que les ténèbres s'évanouissent. Un pasteur, on l'a envoyé à Butare pour commencer une église et je l'ai supporté. Et après, il a voulu amener une paroisse à Kansi. Et donc il m'a montré en allant de comment il va établir les paroisses. Et après qu'il est arrivé à Gisagara, là où il voulait en faire la patrouille pour voir où il va, il est tombé et aujourd'hui c'est un soulard. Il ne voulait pas établir sa maison, mais il voulait construire la maison de Dieu. Mais il ne connaissait pas les rois qu'il veut renverser, la puissance qu'ils ont. Le jour il m'a dit qu'il rêve de Gisagara, après des mois il est tombé, aujourd'hui il est un soulard. Il est même divorcé de sa femme. Pourquoi? Dans chaque terre, il y a un roi qui est entronné. À Jéricho, Josué a relâché une parole. Mais il est mort après de longues années. Et il a rêvé. Et il pensait qu'il est tombé sur de l'or. Et il pensait qu'il va juste ériger, construire une maison. Mais ceux qui ne savaient pas, c'est parce qu'il y a un code qui dit que personne ne peut bâtir ici. Et Abiram est mort. Et même Ségub. Et donc il a tué ses propres enfants. Il a tué ses propres enfants. Mais il pouvait faire de bonnes choses. Donc il y a des choses que vous devez être patient pour comprendre. Il y a des choses que vous devez être prudent à faire. Il y a même des choses que vous allez entreprendre à faire et vous aurez besoin de la puissance surnaturelle pour y faire, ou y arriver. Même dans les années dernières, toutes les filles qui allaient, ou bien plusieurs des filles qui allaient dans l'université de Butare, ils étaient enceintes comme cela, parce qu'il y a un esprit qui dirige, qui conduit, qui dit que toutes les filles doivent être enceintes, ou bien être dans l'impudicité. Demande à ton ami, est-ce qu'il y a des choses que tu comprends? Est-ce qu'il y a des choses que tu comprends? Est-ce qu'il y a des choses que tu as compris? Ce que je vous dis, ce n'est pas mes paroles, c'est des saintes écritures. Yeriko, Yoshua ravuze, Yeriko wowe. Et si Josué, c'est un homme de Dieu, il a dit maudit soit celui qui va bâtir Jéricho devant l'Éternel. Mais il a relâché une parole dans l'esprit, dans le monde spirituel, il est parti. Parce que la parole qui est relâchée dans le monde spirituel,
Et même c'est de même avec la personne qui relâche une parole dans le monde des ténèbres, la parole reste dans le monde des ténèbres. Mais ce qui est bon, c'est ce que ceux qui font partie du royaume de Dieu peuvent renverser les paroles qui ont été dites dans le monde des ténèbres. Imaginez toutes les paroles que ton grand-père a relâchées sur ta vie, que tu ne donnes pas naissance, que tu ne sois jamais marié, que tu ne prospères pas. Oh, tu seras avare. Comprendre. C'est pas l'intelligence. C'est pas le cerveau bien reconnaître comment les choses marchent. Mais c'est avoir un esprit qui est éveillé et de comprendre comment le monde spirituel opère. C'est de savoir que cette chose veut que je fasse ceci pour donner le résultat à cela. Parce que l'ennemi sait que si je fais ceci, c'est un code qui va débloquer ou bien bloquer ceci. Donc ayez la compréhension. C'est là où vous allez voir les portes ouvrir devant vous. Mais quand vous n'aurez pas la compréhension, il y aura des choses que vous n'aurez jamais, même si vous craignez et vous aimez l'Éternel. Merci Père Éternel pour ta parole. Tu peux nous donner la compréhension. Tu peux nous donner la compréhension. Kingdom Believers Church waduha gusobanukirwa. Mwami ndakwingize kubwira itorero waduha gusobanukirwa. Wahumura amaso yacu, waduha kumenya aho byapfiriye, waduha kumenya icyo twabikoraho, wadushyira mu inzara n'inyota y'ugushaka kumenya, yo gushaka gusobanukirwa. Yesu we, reka mumve muvugana nawe, zamura ijwi ryawe, zamura ijwi ryawe. Rabrashetele mandelakate, rabrasheketelende makata, rikoroprozekete, shandembrata makalebo, shilembre keterebo shata, rekebrekete shambilaba, lebrode shata. Talambra kate, ribrodo shelembre kete, makalembre kete makate, rebro shatalambema, liambrebo shatalama, shelembre makatelebo, shilambra mbe katalama, malebro shekelebro shatala, nami turakwingi nzudwe gusobanukirwa, mukawera turakwemereye, mukaweru duimbaraga ndenga kamere, mukaweru duimbaraga ndenga kamere, mukaweru duimbaraga ndenga kamere, imbaraga z'umwuka. Imbaraga ziduha kumenya, imbaraga ziduha gusobanukirwa, imbaraga ziduha guhishurirwa, imbaraga zituzanira ubwenge, imbaraga zitwinjiza mu cyumba cy'ubwenge, imbaraga ziduha kudekoda amakode arahano, imbaraga ziduha gusobanukirwa aho byakoreye, imbaraga ziduha kumenya uburyo twabyitwaramo, imbaraga ziduha kugira amakenga ibyo dukora, abo dukorana nabo, abo twihuza nabo, abo twumva, abo tugendana nabo, abo tubana nabo, utumuka ubwenge, mwuka w'ubwenge, mwuka w'ubwenge, mwuka wo gusobanukirwa, mwuka wo guhishurirwa, mwuka wo kumenya, mwuka w'imbaraga, mwuka w'imbaraga, mwuka wera, mwuka wera, mwuka wera, turakwinginze uyu munsi wa none, mwami wahagurutse inzara muri twe yo kumenya, yo gusobanukirwa, yo guhishurirwa, yo kumenya impamvu yabyo, aho byaturutse, icyabiteye, uburyo twarwana nabyo, uburyo twahangana nabyo, uburyo twabyikuramo, uburyo twahangana nabyo mu isi y'umwuka, gusobanukirwa amahame yo mu isi y'umwuka, gusobanukirwa amahame yo mu isi y'umwuka. Mwuka w'Imana niwe wadusobanurira, niwe wadushurira, niwe watwiza mu cyumba cyo kumenya buri kintu cyose, ukaduha ubusobanuro kubera ko twakwegereye, kubera ko twagushatse, kubera ko twemeye, kubera ko twakingutse amaso, kubera ko twasobanukiwe, kubera ko twahishuriwe. Shelebra talandema shelembre makatelebo shelembre
Rebre mambekata, mambra shetele bokate, rebre keshetele, lekebre kete makate, lekebre boshataka, likobro zombekete, lembrande makata, likobro shotolendema, limbre de boshatalandema, limbro de shatelaba, lembre kete mambera, lebro shande makata, mandere shekete, limbro zekata, mande boshataya, lambra makate, ekede boshataya, likombronde katama, lebre keshete, rekodobozata, ekebre keshete, likobronde katama, malenge mashatalaba, malenge mande makata, malenge mazekatalaba, malenge mandima kataya, malenge mambrokotoya, malenge mambrakatama, malenge mambroshataka, ekede boshande makate, lembre zekete mako, lembre zekataraba, limbrozonde katama, ekere broshataya, likambrande katama, likombroze keteya, mande boshataka, mande boshikataraba, mambroze ketemaya, mande boshataraba, likombroze ketemandaraba, likombroze kataraba, ekembrande kata, libroshataya, ekobroshataka, likombrozo kataba, likombrande mazekata, yembe makazataka, yembe mazekataraba, embre mande kataraba, likombroze ketemaraba, yembe boshataya, likombrozo ndekete, yakataraba, limbroze kete, imbaraga zamara so Yesu Kristo, imbaraga zito gusobanukirwa, imbaraga zito gusobanukirwa, imbaraga zito gushurirwa, imbaraga zito kumenya, imbaraga zito imba dushoze uko twabikora, imbaraga ndenga kamere usumuka wera, imbaraga ndenga kamere usumuka wera, imbaraga ndenga kamere usumuka wera, imbaraga ndenga kamere zicendera, zimenye ibyakozwe imyaka igihumbi, zimenye ibyakozwe imyaka magana, zimenye aho byakorewe n'uburyo twabyikuramo, n'uburyo twavana twabivamo, n'uburyo twatandukana nabyo mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo, mu mbaraga z'amaraso Yesu Kristo, neshereza we, tsindishiriza we, garagara mu bwoko bwawe, garagara mu bakunzi bawe, garagara mu bawe, mu bakunzi bawe Yesu we, nuko wishurirwa, nuko wishurirwa, nuko wishurirwa, nuko wishurirwa, nuko wishurirwa, nuko wakumenya, nuko wagusobanukirwa, nuko wubwenge, nuko wakujya inama Yesu, garagara we, garagara, garagara mukunzi mwiza, garagara we undi we, garagara kugama we, garagara gakiza we, garagara mbaraga we, garagara mukiza we, Yesu, Yesu, garagara we, garagara mahoro we, garagara ruhumbiro we, garagara kugama we, garagara mwami Yesu, garagara mwami Yesu, garagara mukunzi mwiza, utwe kumenya, maze udutabare, maze uduke, maze udukureyo, maze utwiyereke, maze udusondure, maze tubivemo, tuzamo ku rundi rwego, yaduhaye kubana no kwicarana nawe mu myanya yo hejuru, turi kumwe nawe kugira ngo dusobanukirwe ibikora mu isi y'umwijima, tubashe kubikosora, tubashe gutanga umuti, tubashe kugarura imiryango yacu, tubashe kugarura abacu, tubashe gutabariza abacu, tubashe gutabara abacu. Mashakati, lambrashata, rebroshataka, mandebo shalabrate, rekobroshatema, rekobroshataka, rekobrombekata, rebreshetekete, rebrekete makoto, rekobroshataka, rekombrozekete, riambebo shataka, riambrazekataya, rekombrombe makata, rebrekeshendekete, rekobroshataka, rekombrozekete, mandebo shataya, rekobrozekete mashata, urakoze Yesu. Urakoze mwami Yesu, urakoze mahoro yacu, reka ijambo ryawe rizane ubwenge, reka ijambo ryawe rizane gusobanukirwa, reka ijambo ryawe rizane kumenya, rizane guhishurirwa ubwoko bwawe, abakunzi bawe basobanukirwe, bamenye, bahishurirwe, basobanukirwe, bamenye, bamenye, ubahe kumenya, ubahe gusobanukirwa, ubahe guhishurirwa, ubahe kumenya. Basabe twese duhagaze, shekete kata labrate, shelembre kete rakata, rebo shande makatelebe, rekombroze kata lambre kete, likande bo shataraba. Tuzamwe biganza byacu imbere mwami Imana. Levons nos mains devant l'Éternel notre Dieu. Vuga uti mwami Yesu. Dis Seigneur Jésus. Magusobanukirwa. Donne-moi de comprendre. Mukawera w'Imana. Saint-Esprit de Dieu.
Donne-moi la compréhension. Pardonne-moi pour ma distraction. Pardonne-moi pour ma folie. Pardonne-moi pour comprendre. Et de même, avoir la soif de comprendre. Et pardonne-moi de ne pas te demander là où était le problème. Et de ne pas te donner place pour que tu me montres et tu me révèles. Je te prie au Saint-Esprit. Donne-moi la compréhension. Je prie vers toi. Donne-moi la lumière pour ma vie et pour ma famille et pour la vie des miens et pour la vie de l'autre. Donne-moi la compréhension. Donne-moi la compréhension. Ce qui a été fait a été fait. Mais je ne peux pas être un spectateur. Parce que ton esprit réside en moi. Je veux recevoir la compréhension. Saint-Esprit de Dieu. Donne-moi la compréhension. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. On vient de clôturer notre culte. On va continuer notre enseignement le jeudi et le dimanche. Viens tôt, prie pour que tu sois préparé dans l'esprit pour recevoir. Et tu peux inviter un ami ou une famille, ton familier pour qu'ils comprennent aussi.